Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se lance le petit jingle. Ce sera pour la guidance des scorpions pour le mois de mars 2024. On y va. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Didi. Je vous retrouve dans mon bazar favori pour vous tirer les cartes pour nos amis les scorpions. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est, on termine, on garde les meilleurs pour la fin, les scorpions. Ah, pas de petite bougie allumée. Hop, on va remédier à ça tout de suite. Alors mes scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mars? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Portail dimensionnel, une invitation. C'est fou. Est-ce que on peut demander à ce que toutes les énergies qui contribuent à ne pas rendre ce message clair ou qui contribuent à rendre ce message confusant puissent s'absenter un moment? Voilà, merci beaucoup. Vous avez une petite présence là. Alors ici, on a lâché prise, moment de libération. Et du coup, ben moi j'en suis presque sûre là. On est le, à l'heure où je vous parle, on est le 16. Et aube nouvelle, retour bienvenue. Avec guerrier de lumière en dos de deck, qui nous parle de une décision de prise. Alors là, je vois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problématiques qui sont liées à la sérotonine. Donc, est-ce que vous avez un bon retour de votre cerveau de quand vous faites quelque chose de bien? Et je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre des cartes absolument pas comme pour les autres signes. Mais je comprends mieux pourquoi je vous ai gardé pour la fin. Alors, portail dimensionnel, lâcher prise et retour bienvenu. Retour à soi-même. Ici, il y a une renaissance qui est demandée pour vous. C'est presque votre signe. Regardez, on a ce 4 de deniers. Donc, vous avez pu être dans une période où vous n'aviez pas beaucoup de sous à dépenser, où vous étiez sur la réserve. D'accord? Et ici, on voit 8 de deniers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui entretient ce qu'il a, ce qu'elle a. Ici, c'est une potière. Et avec ce 8, on a un plus l'infini. On a le plus l'infini de recevoir, du réceptacle. Et c'est marrant que je vous l'interprète comme ça, parce que quand même, le 8 de coupe, c'est quand on a été déçu de quelque chose. D'accord? C'est la capacité de discernement qu'on a eue de se dire ben, peut-être je me rends compte que j'ai besoin de repos. Et ici, par rapport à ce lâcher prise, il vous indique que c'est lâcher prise sur l'ampleur des déceptions, ou peut-être que vous avez tellement attendu et vous avez tellement été déçu de certaines personnes de votre vie, de certaines situations. Et là, avec ce 10, aube nouvelle et retour bienvenu, eh bien ici c'est un retour bienvenu à ben, justement peut-être rendre conscient ce qui ne l'était pas. Il y a un besoin de magie ici avec ce 6 de coupe, de retrouver une espèce de la magie, l'imaginaire, l'imagerie. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Comment faire ma vie belle? Comment faire ma vie douce? Je suis conscient à présent que je suis insatisfait parce que je ne voyais pas tout ce dont j'avais besoin. Il y a le pendu derrière, à l'envers, c'est-à-dire qu'il se bloque tout seul. Et on a ici le... Excusez-moi. Sept de bâton qui nous parle de quelque chose qui doit être raccord avec vos croyances. Et c'est marrant parce qu'on dirait presque un collier de perles qu'il a autour de... Il a une façon de se présenter qui est bien à lui. Alors, je ne la prendrai pas. Et ici, on a ce fameux pendu qui veut revenir. Donc, au centre du cirage... Ce lapsus ne doit pas être totalement anodin. Au centre du cirage, ben, je pense que vous avez du mal à prendre une décision ici avec ce 10 d'épée. Vous avez une trouille de vous planter. Vous ne voulez pas que quelque chose se termine. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise non. Ici, j'ai l'impression que vous n'osez même pas relancer quelqu'un ou quelque chose en triangulaire dans une situation complexe, tellement vous avez peur que l'autre vous dise non merci. Accepter que quelque chose est mort. Ah ben dis donc, tu vas être obligé d'aller la chercher quand même. Ici, on a le chariot de profil.
Alors, les deux cartes qui sont tombées par terre, c'est 2 de deniers et 6 de bâtons. Donc ici, il faut réussir à faire un choix ou alors une transition. Donc sur ce jeu, 10 de deniers. Ici, j'ai quelqu'un qui fait attention à sa bourse. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui gère un héritage, quelque chose à transmettre, etc. Et c'est comme si pour avancer, on s'adosse à cet héritage. Et on a ce 6 de deniers qui va nous permettre de remettre en place un équilibre qui n'existait plus. Et avec ce 7 de deniers, on retombe sur nos pattes au niveau de quelque chose qui est rentable. Attention, parce qu'il y avait certainement des excès. Et moi, j'ai l'impression que vous voulez vous protéger de certains excès. Il y a un nouveau départ là avec un 9 de coupe plus derrière, avec une victoire. Donc, j'ai l'impression ici, mes scorpions... Oh, c'est marrant parce que ça me disait dans ma tête, mes cochons, que vous êtes en train de préparer votre renaissance. C'est-à-dire, là, vous vous retenez parce que vous ne savez pas trop comment ça va sortir. Ici, on vous dit qu'il y a des choses de cachées. Il y a des choses qui sont liées à l'imaginaire. Il y a des choses que vous allez pouvoir libérer parce que vous en avez pris conscience. Ça vous fait très peur. Il y a quelque chose qui est, j'allais dire, qui est fatigué. Il faut laisser mourir quelque chose. Ha ! Votre solitude, le fait de vous dire « je serai toujours tout seul ». Ici, c'est comme si c'est le grand mensonge du scorpion. Vous faites comme si vous avez été toujours abandonné, toujours esselé. J'ai envie de te dire depuis combien de temps c'est toi qui orchestres cette solitude. Même et surtout si vous êtes très entouré, c'est que ce ne sont pas les personnes qui correspondent à vos besoins profonds. Et je pense que c'est là-dessus. En fait, vous êtes toujours déçu parce que vous n'êtes pas clair sur vos besoins profonds. C'est fou, hein? Et c'est comme si, ami scorpion, ben, je ne vais pas vous faire 80 000 tirages. On n'est qu'à 7 minutes. Mais c'est comme si presque tout est dit, les loulous. Presque tout est dit. Vous vous bloquez vous-même pour un avancement n'ayant pas pris conscience de ce que vous vous cachez à vous-même. Il y a un truc... Alors, pourquoi vous vous le cachez à vous-même? Bah, vous avez besoin de réussir. Donc, si vous avez raté, en fait, vous vous le cachez. Comprenez que ce n'est qu'une étape. Vous avez cru que vous avez foiré, mais vous avez toute la vie pour réussir. En vrai, on a le droit de foirer tellement de fois, si tu savais. Et ce n'est pas un échec. C'est chaque fois que vous avancez un peu plus vers votre réussite. Allez, on y va vers la triade. Et puis, je vous ferai quand même un petit 77 parce que vous avez été sage. Alors, la triade, que nous dit la triade pour nos amis scorpions? Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Delta, dans l'espace inouï de l'homme. Voyage, voyage. Maître de l'ordre. Et ici, bah, c'est justement dans ce sur quoi vous vous mentez. Donc, on est bien, on est bon. Est-ce qu'il s'agit d'un mariage aussi, hein? Est-ce que vous avez foiré un mariage, ami scorpion? Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est ça qui vous pèse. J'ai foiré mon mariage, je ne peux rien recommencer. Le guerrier de lumière doit couper avec quelque chose. Doit couper avec justement peut-être cette impression d'avoir foiré. Connexion et accord. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter à vous-même? Est-ce que vous pouvez accepter que vos bêtises, vos erreurs, vos soi-disant échecs font partie intégrante de votre vie et que c'est parfaitement OK? Mais comprenez bien, les scorpions, ascendant scorpion, lune ou Vénus en scorpion, que si tout le monde fait des erreurs, ce ne serait pas normal que les scorpions ne fassent pas d'erreurs. Quelque chose que vous n'avez pas mis à jour et qui change toute votre vie. C'est le cheminement que vous avez fait vous amène à poser un regard sur la vie qui va vous faire restructurer votre vie, remettre de l'ordre. Et là, j'ai la... Mais vraiment! Et le fait de rendre à César ce qui appartient à César, de comprendre que vous n'avez que la responsabilité de ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez fait et de rien que ce que vous avez fait. Bisous, bisous, on commence, hein, il n'y a pas d'affect, hein, et on a envie
de dire des mots tendres à quelqu'un qu'on a envie de protéger, ou on a envie de dire des mots tendres ou d'avoir une conversation de cœur à cœur avec quelqu'un avec qui on a envie de préserver la relation et même de faire des projets ici, hein. On a envie que quelqu'un se sente bien pendant la genèse. Oh, triomphe ! Mais c'est quoi ce tirage ? Et que vous ne dites rien. Finalement, comment pourriez-vous transformer l'essai ? C'est vraiment ça ! Chance ! C'est ta chance ! Tout. 77 77. Merci. Remercier. Je pense ici, il y a quelque chose que vous avez souhaité. Il y a une protection. Vous ne l'avez pas dit à tout le monde. Vous avez demandé quelque chose dans le secret de votre cœur que vous allez recevoir. Oh là là. Elle a des petits dans ses bras, la dame là. Je n'avais pas vu. Oh là là, il y a un ange qui vous accompagne. Regardez. Elle a des petits dans sa robe. Elle a des petits dans sa robe. Les difficultés sont derrière vous. Je veux savoir ce que vous ne dites pas. Ici, vous ne répandez pas la nouvelle. Il y a quelque chose, il y a une très bonne nouvelle que vous avez eue par téléphone, vous l'attendiez, c'est une formidable chance. Écoutez, on vous demande d'être à fond dans la gratitude et de ne plus vous mentir. J'ai l'impression, ami Scorpion, que votre boulot du mois de mars, ça va être de reconnaître une erreur. Et de reconnaître la fonction de cette erreur. Cette erreur était salutaire pour vous, vous a permis de vous arrêter. Bon, là, vous êtes arrêté un petit peu trop longtemps. Et en fait, ici, on vous invite, c'est presque la recette du bonheur. C'est dites ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un qui est très important pour vous. Et peut-être aussi, allez vous parler de cette personne que vous aimez beaucoup, de vos projets. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Vous allez avoir une très bonne nouvelle concernant vos projets. Il y a quelque chose de triomphal. C'est quoi ce triomphe ? Harmonie. Et au niveau de la chance, on a du soleil. Alors ça veut dire du pognon, ça veut dire de l'amour, ça veut dire un truc de fou. Et c'est comme si vous compreniez que cette chose est précieuse et qu'il faut la garder pour vous. Même si vous avez envie de crier à tout le monde que vous avez retrouvé l'amour de votre vie, il va falloir être discret. Vous allez être heureux. Et heureux avec la joie de le partager avec uniquement quelques personnes. Oh là là, il y a quelque chose d'équilibré là. Oh là 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 là, par rapport à des difficultés et tout. Et vous aviez... Oh là là, le lâcher prise. Écoutez. Ici, j'ai des scorpions qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un engagement avec quelqu'un. Peut-être même qu'on a besoin d'être mariés. Même si vous êtes a priori contre le mariage... Peut-être là, vous êtes en train de réaliser ça. Je ne peux pas m'empêcher, du coup, je vais faire un petit coup d'améthyste. Alors, on y va. C'est ta chance. Ouais, parce que le tirage, du coup, était très court. Peut-être que je vous fais quand même un peu le boulot. Allez, on va faire un petit peu de boulot d'abord. Ah bah. Pour les scorpions, pour le mois de mars, ici, on va avoir des trucs bonnards. Peut-être que vous n'allez pas être trop à la maison parce qu'il y a peut-être des séminaires. En tout cas, il y a des choses qui vous passionnent et on vous dit, soyez passionnés, faites ce qui vous plaît. Il y a de toute façon une trahison qui est prévue par rapport au plaisir, mais vous allez vous réussir. Parce que regardez, il y a une réussite qui est protégée ici. Hein. Qui est protégée, vous êtes appuyé, il y a la clé, il y a de la méchanceté, il y a de la trahison, ça ne vous arrêtera pas. J'ai l'impression qu'en fait, ici, remercier pour ce que vous avez. Et du coup, vous allez croire en vous et vous allez tout défoncer, les petits. Ah, mais il y a quelque chose d'extrêmement... J'en ai le frisson. Je pense que vous allez oser affronter vos peurs. Il y a une histoire de timing divin. Il y a une histoire d'histoire d'amour qui se termine bien ici. Je n'aurai pas le temps. On est à fond, les scorpions, de tout faire. Il y a quelque chose à quoi vous mentiez que vous ne croyez plus, que ce n'était plus possible. Et il y a une notion aussi de recréer du lien avec sa famille, si vous avez perdu le lien. Il y a une guérison ici, le retour à un équilibre, du calme, de la paix qui vous a pris du temps, amis célibataires. Eh bien, c'est pas pour celle-là. Ah, purée.
Alors ici, on a je t'aime et ancrage. Oh, c'est peut-être cette chose que vous n'avez jamais dite. Là, c'était sur les trucs cachés, du coup, je les prends. Le message, il est trop beau, quoi. C'était sur les choses cachées. Ce que vous ne vouliez pas vous avouer, c'est que vous aviez besoin de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un à qui vous puissiez dire je t'aime et avec qui la relation soit stable dans le temps. D'accord ? Pour les triangulaires, ben on a tout déjà. Élévation, haute, et il va y avoir un déclic. Donc même par rapport à des triangulaires, il y a des projets. Si vous êtes en couple, amis scorpions, peut-être il y a un bébé qui arrive, il y a un projet de vie commune. Attention aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a peut-être des réseaux qu'il va falloir zapper maintenant. Et ici, avec sagesse, hein, parce que sinon vous risquez de vous retrouver... Bon, c'est un peu dommage là. Avec un date, mais s'il y a quelque chose qui va très bien, attention, attention. Et ici, on a « J'attends ton retour ». Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un qui ne vient plus. Hein, et que du coup, vous êtes en train de bosser sur un traumatisme de rejet. Attention, attention. Et ouais, transformation. C'est peut-être ça qui va vous faire vous positionner par rapport au projet ou aux enfants. Union charnelle. Alors, peut-être que ce n'était pas prévu qu'il y ait un bébé qui pointe son nez, mais voilà. Et puis, de toute façon, on vous dit qu'il y avait, une décision à prendre. Beaucoup de cartes sont tombées. Alors, c'est marrant, hein, j'ai amour passionnant et en vous dedans. J'ai attention de pas trop d'indépendance qui pourrait faire tout péter. Hein. Si quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, ami scorpion, ben moi, je vais vous le dire. Donc, 1, 2, 3, vous choisissez 1, 2 ou 3, ce que la personne ne vous dit pas. OK? Alors, ou si vous êtes en non-communication. Alors, 1, 2 et 3. En dos de deck, et c'est la situation d'ensemble pour tous ceux qui ont posé une question. Ici, on a « Tu n'imagines pas à quel point tes jugements me blessent et cette condescendance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» 1. J'apprécie ta situation financière et ton réseau relationnel. Donc ici, c'est une personne que vous rassurez par ce que vous gagnez ou par vos ressources. 2. Notre relation est impossible à vivre, nous sommes trop différents. Et on vous dit de vous rendre heureux vous-même, ou que cette personne, elle n'arrive pas à vous rendre heureuse, et en plus, elle est déjà engagée avec quelqu'un. Ouh. Et enfin, troisièmement, tu me manques à un point que je n'aurais pas imaginé. Donc là, il va falloir... J'ai passé de merveilleux moments avec toi, et je n'ose rien entreprendre, car tu m'es précieux, tu m'es précieuse. Ici, c'est sur la troisième. Je pense que les gens sont chamboulés. Écoutez, il y aura une extension des conseils de l'amour par signe, hein, comme chaque mois. C'est l'extension que vous trouverez en dessous, le deuxième lien sur Patreon. Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte Letchi pour m'aider à réparer mon écran d'ordi. Je vous fais de très très gros bisous. Je suis enchantée de ce qui se passe en ce moment, que ce soit dans les guidances ou que ce soit dans la vie. Je suis enchantée que nous sortions des mensonges à nous-mêmes et que nous récupérions, entre guillemets, le magnifique, la magie de la vie. Et je suis encore plus heureuse de terminer avec la carte de la gratitude, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et on vous rappelle de vous attirer plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc si vous y voyez clair, remerciez. Si vous aimez quelqu'un, remerciez. Si vous êtes lucide, si vous avez un déclic, si vous prenez conscience que vous avez besoin d'engagement dans votre vie, remerciez. Si des difficultés sont derrière vous, remerciez. Si vous retrouvez vos enfants, si vous retrouvez de l'amour, si vous retrouvez votre foi, votre vous, remerciez. Et vous aurez encore plus de ce qui vous rend heureux. Mes scorpions, c'était un bonheur de terminer par vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Didi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.